9 mai 1945, à la première heure du jour. Les Alliés réunis à Berlin signent l'acte de capitulation de l'Allemagne nazie. Parmi eux, un invité de dernière minute, Jean Delattre de Tassigny, commandant la première armée. Dépêché la veille en urgence par De Gaulle, le général Delattre impose la France à la table des vainqueurs, au grand mécontentement des émissaires anglais, américains, soviétiques et allemands. Le maréchal Keitel, représentant le Troisième Reich, grommelle en apercevant Delattre, et en plus, il y a un Français. Il se rend compte que personne ne l'attend à l'aéroport. Déjà, il n'est pas content. Deuxième chose, il arrive dans la salle de signature, et là, déjà, on est à 20h, hein, le 8 mai. Pas de drapeau français. Il en fait confectionner un, avec un bleu de travail, un bout de drap et un bout rouge du drapeau nazi. Manque de chance, les jeunes russes se trompent de sens, ils nous font un magnifique drapeau hollandais. Donc il faut le redécoudre pour refaire un drapeau français. Et enfin, vers 20h, le drapeau français est là. Et puis ensuite, il y a donc la signature, qui en fait est le 9 mai à minuit 6. C'est pour ça que dans les pays de l'Est, on fête la fin de la Deuxième Guerre mondiale le 9 mai. Jean Delattre de Tassigny est né en 1889 à Mouilleron en Parais, village qui, paradoxe de l'histoire, a déjà vu naître Georges Clémenceau. Soldat engagé dans la drôle de guerre, il refuse en 1943 la collaboration et se retrouve en prison. Évadé, il rejoint De Gaulle à Alger, qui lui confie la première armée. S'ensuit alors une longue marche victorieuse pour libérer la France, de Toulon à Colmar. Delattre, en fait, a réussi à mettre dans une seule armée des combattants qui venaient du monde entier, notre ancien empire, donc qui n'avaient pas toujours la même religion, pas toujours la même philosophie. Et il a réussi à amalgamer ces troupes-là avec du matériel américain, avec l'ensemble des résistants, qu'ils soient de gauche ou de droite. Et c'est pour cela que le général de Gaulle lui a demandé de représenter la France, qui n'était pas attendue, pour la signature du 8 mai à Berlin. Durant la guerre d'Indochine, Jean Delattre est nommé à la tête des armées françaises. Parmi les troupes engagées, son fils Bernard, qui trouvera la mort à 23 ans. « Pardon de n'avoir pas su le protéger », écrira un père éploré à sa femme. Le 11 janvier 1952, Jean Delattre de Tassigny s'éteint à son tour. Il est fait maréchal de France à titre posthume. Il est inhumé aux côtés de son fils Bernard, dans le petit cimetière de Mouilleron en Parais. Mouilleron, qui garde au cœur la devise de vie de ce fils de légende, « Ne pas subir ».